prends comme ça vient. Alors, premier produit, j'ai terminé le lait apaisant, le lait pour le corps, lait apaisant de chez Nivea, à l'aloe vera, hydratation intense, fraîcheur apaisante. Je l'ai adoré celui-ci. Alors, hydratation 48 heures, bon, on se lave avant 48 heures. Hein. C'est un concentré de soins à l'aloe vera pour peau sèche de 250 ml. Je l'ai adoré. Je ne vous dis pas que je rachèterai puisque j'ai... Entre les calendriers de l'Avent, The Body Shop et Yves Rocher, j'ai du stock. Donc ça, je ne rachèterai pas. J'ai terminé mon chouchou de l'année 2018 et une découverte de l'année 2018. Le shampoing Garnier ultra doux. Shampoing nourrissant à l'huile d'avocat et beurre de karité. Je l'adore, j'en ai déjà racheté un. Donc celui-ci, je ne peux plus m'en passer. Il est vraiment top. C'est un format de 400 ml. Celui-ci, c'est mon indispensable. Ça et les Dash Holder, ce sont des indispensables. Pardon. J'ai terminé deux dopes. Un dope douche crème douceur du matin. Celui-ci, c'était au parfum du chocolat chaud, pH neutre sans parabène. Il n'était pas du tout écœurant, j'ai adoré. C'était la première fois que je le testais. Franchement, il était pas mal. Moi, mes dopes, ce sont l'un de mes gels douches préférés. Ce sont mes gels douches préférés. Ensuite, j'ai adoré celui-ci aussi. C'était au parfum de la noisette. C'est douche crème douceur glacée. On aurait dit que ça sentait un peu comme une sorte de Nutella. Je l'ai adoré. J'en ai un autre dans mon placard d'ailleurs. Je l'ai adoré. Je vous le recommande. Ce ne sont pas des odeurs trop écœurantes. Même celui-ci, je pensais que ça aurait été écœurant. Bien sûr, il faut quand même aimer les odeurs gourmandes. Mais celui-ci... avait une texture un peu laiteuse, était de couleur blanc. J'ai adoré ces deux dopes-ci. Donc celui-ci, j'en ai un en backup. Ensuite, j'ai terminé aussi un de mes indispensables pour les cheveux, les Dash Holders. Le classique, ça évidemment, je l'ai en backup aussi. J'ai terminé un cottage au caramel, douche lait gourmande. Celui-ci aussi, j'adore. Très 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 bonne odeur, vraiment ça sentait vraiment le caramel au beurre salé, je trouvais. Celui-ci, c'est l'un de mes préférés de chez Cottage, mais j'ai quand même une plus grosse préférence pour les dopes au Cottage. Je préfère les dopes au Cottage, mais éventuellement pourquoi pas le reprendre quand j'aurai fini mon stock de gel douche. Alors normalement tout ce qui est gel douche c'est fini. Ensuite, j'ai terminé une crème de chez Vichy, l'Idealia. Alors, je l'ai adorée, cette crème-ci. C'était Simon qui me l'avait envoyée, je l'ai adorée. Alors, je la mettais le soir car elle me rendait la peau un petit peu grasse. Voilà, donc je l'ai finie le soir et j'en mettais aussi sur le buste. Donc, elle était vraiment top, l'odeur, elle est divine. Donc, j'ai vraiment adoré la tester. Alors, c'était une crème énergisante. Lissage et éclat au polyphénol de myrtille, plus extrait de thé noir fermeté. Éclat durable, teint uniforme, pores affinés, ridules lissées. J'ai bien aimé, mais pour les peaux grasses, il vaut mieux l'utiliser le soir. Et c'est ce que je faisais. J'utilisais le soir et j'en mettais sur le buste aussi. Alors, j'ai terminé un brumisateur d'eau, toujours une brume d'eau pure de la marque Carrefour. Ensuite, j'ai fini ma cure de 3 mois de la cure Vital Fan de chez René Furterer pour les cheveux, anti-chute progressive hormonale ou héréditaire. Donc, une capsule par jour. Donc, ça, j'ai plutôt adoré. Mais j'ai quand même une préférence pour les Forcapiles, pour la gamme Forcapiles. Mais éventuellement, je rachèterai, je pense, refaire une cure de Forcapiles au printemps. Voilà. Ensuite, j'ai terminé. Alors, celui-ci, je l'ai adoré. C'est le déodorant Nartal Fraîchissime. Anti-transfert d'odeur sur les vêtements, fraîcheur pure. Alors, c'était celui un peu en roll-on comme ceci. J'ai adoré son odeur fraîche.
C'était de la gamme Narta. Franchement, quand j'aurai fini les deux miens, pourquoi pas le racheter? Il était vraiment très efficace. Il était testé sur textile moulant et synthétique, sans alcool. Par contre, je crois qu'il y avait de l'aluminium dedans. Oui, il y avait de l'aluminium, mais bon, moi, ça n'est pas trop important pour moi qu'il y ait de l'aluminium ou pas. Mon fils a terminé le gel Studio Line de chez L'Oréal, l'indestructible gel fixation extrême 48 heures. Séchage ultra rapide, résistance élastique, c'était la Force 9, il a adoré ce produit-ci que m'avait envoyé Kelly, celui-ci il a adoré. Mon fils a aussi terminé... Ah non, je pensais que c'était une cire, mais non. C'est moi qui ai terminé le premier cadeau qui se trouvait dans le calendrier de l'Avent The Body Shop. C'était une tuerie, c'était le Berry Bonbon. Voilà, c'était un beurre corps douceur de 50 ml. Je l'ai adoré. C'était le premier cadeau du calendrier de l'Avent du mois de décembre. Alors, l'odeur était douce. La texture était légère, c'était pas un beurre compact, mais j'ai adoré. Et c'est plutôt top, les petits formats comme ceci. Donc ça, c'était l'édition limitée de Noël, mais j'ai vraiment adoré. C'est vraiment un coup de cœur celui-ci. Ensuite, j'ai terminé les Day Make-up original, douceur et efficacité. Un maxi pack dedans, vous en aviez. C'était un maxi pack de... Alors, je sais pas. Ah, 105 cotons. Voilà, 105 cotons, les Day Make-up. Bon, moi, je suis pas... Je prends des cotons, hein, pas spécialement des make-up. J'ai terminé une cire de la marque Yankee Candle, la Spicy Orange. Elle sentait bon l'orange cannelle que je mettais dans mon brûleur. Elle était vraiment top. J'en ai d'autres à finir. Mais pourquoi pas la racheter éventuellement? Ensuite, alors ça c'est un très gros flop pour moi, mais je l'ai pratiquement fini. C'est de chez Max & More. Ça vient de chez Action. C'est un primer pour les paupières de 10 millilitres. C'était Illuminating Prime et Highlight de chez Max & More. Il faisait pas du tout tenir l'ombre à paupières. Si vous n'avez pas la peau grasse et a tendance à avoir les paupières grasses, vous pouvez l'acheter. Si vous avez la peau grasse comme moi et donc les paupières grasses, il ne fera pas du tout son job. Et moi, vous savez, le fard qui crisait, donc ça tenait pas du tout. Je ne le rachèterai pas et je vous le recommande pas du tout. Ensuite, j'ai terminé qu'est-ce que c'est, des éponges de chez Carrefour multi-usage. Vous avez un côté vert et l'autre côté éponge. Donc ça, j'adore. Je les aime beaucoup, ceux de chez Carrefour. Ensuite, j'ai terminé le mascara de chez L'Oréal, le volume million de cils, le fatal. Donc celui-ci, je l'adore, je l'ai adoré. La brosse est comme ceci. Franchement, c'était vraiment une tuerie. Il m'a duré pas mal de temps. J'adore les mascaras de chez L'Oréal. Donc celui-ci, il était vraiment top, hein. Je vous le recommande. Ensuite, tout le reste, ce sont... Ah non, ce ne sont pas des masques. Il y a aussi un gel antibactérien, un gel main de nettoyant, un gel antibactérien de Mercy Andy. Celui-ci, c'était la Black Vanilla. Vraiment une tuerie. Il y avait des petites billes bleues dedans. Voilà, moi je m'en servais pour sur ma coiffeuse pour me rafraîchir les mains quand je me maquillais. Donc j'en ai d'autres en backup. Je l'ai adoré. Et ensuite, tout le reste, ce sont des masques. Alors, j'en ai fini quand même pas mal. Voilà, donc mon chouchou, le facial sheet mask au charbon et au sel de mer de chez Action. Celui-ci, je l'adore. J'en ai un stock, hein.
Toujours à laisser poser entre 15 et 20 minutes pour les peaux grasses, il est vraiment top. Je vous le présente à chaque vidéo, celui-ci. Ensuite, un autre chouchou de chez Action, c'est l'hydrogel pour le dessous des yeux. Ça fait un effet dentelé comme ceci. Il est plutôt top. J'entends beaucoup d'avis négatifs sur ce produit-ci. Moi, je trouve qu'il fait vraiment son job. Voilà, hydrogel under eye mask. Voilà, moi, je l'ai adoré. Bon, ça ne fait pas non plus un effet de fou, mais c'est plutôt top. Voilà. Après, il faut évidemment hydrater son dessous de l'œil, mais il est plutôt top. Il ne se rince pas. Il faut juste faire pénétrer l'excédent de produit, alors soit le matin, soit le soir. Ben, j'ai trouvé qu'il était plutôt top. Ensuite, j'ai testé un masque, le masque frais repulpant qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent de chez The Body Shop. Si vous avez vu mes photos sur Instagram, je l'ai eu le 24 décembre avec le bandeau pour faire les soins en forme de fan. Voilà, et donc il y avait le bandeau qui était offert avec cet échantillon-ci de chez The Body Shops. C'était le masque frais repulpant de la gamme British Rose. Je l'ai adoré, il était vraiment génial. Il était vraiment top. Ensuite, j'ai testé le masque yeux concombre de chez Sephora que j'avais gagné dans le concours du concours de Delphine de la chaîne Delphine Makeup Nord. Je l'ai adoré, il était vraiment top. Il était quand même beaucoup plus efficace que ceux de chez Action. On voit quand même la différence, c'est quand même plus décongestionnant. Je l'ai adoré, vraiment, si je... Là, pendant les soldes au mois de février, je pense m'en prendre quelques-uns chez Sephora. Voilà, c'était vraiment une très belle découverte. Je l'ai adoré. Et ensuite, le masque de chez Nocibé, je l'ai fait samedi soir. Celui-ci, le Détox Argile. Masque gommant purifiant pour les peaux encombrées. Pour les peaux grasses, c'était vraiment top. Je l'ai reçu toujours dans le concours de Delphine. Tu passes par là, Delphine ? Je te fais des gros bisous. Je l'ai adoré ce produit-ci. Il était 99% d'origine naturelle. Vraiment superbe découverte. Il faisait un peu effet boue dessus. Alors, c'est pas marqué ce qu'il y a dedans, mais il était vraiment top. Une très très belle découverte aussi. Donc, j'ai vraiment adoré. Et voilà mon sac de produits terminé et vide. Donc voici mon avis sur les produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.